Bonjour à tous, cette vidéo constitue la deuxième partie du cours sur les matrices. Elle vient en ajout des points 1, 2 à 1, 3 que nous avons vus dans la première. Elle adopte un autre point de vue, celle qui est d'associer une matrice à une application linéaire bien particulière. Attention, on reviendra dans le point 2 sur une association de ce type, mais là, avec une application linéaire quelconque. Allons-y. Donc l'idée, c'est la suivante. Application linéaire canoniquement associée à une matrice. Il existe un isomorphisme entre l'ensemble MNP de K et l'ensemble des applications linéaires de KP dans KN. Faites tout de suite attention. Quand les N et P sont dans cet ordre, c'est-à-dire nombre de lignes, nombre de colonnes, je vous rappelle, KP et KN sont dans cet ordre dans les ensembles de départ et d'arrivée. Alors, l'idée est la suivante. On prend une matrice A appartenant à MNP de K. Je vous rappelle les notations. K, c'est soit R, soit C. À la matrice grand A, on associe l'application, alors je l'ai appelée F1-10A, qui va de KP dans KN et qui est un vecteur colonne X égale X1 XP, comme ça là, donc appartenant à KP, associe A fois X. Alors, ça demande une explication parce que, a priori, les éléments de KP sont des PU-play d'éléments de K, on les écrit horizontalement avec des virgules, et les éléments de KN sont des NU-play d'éléments de K qu'on écrit aussi horizontalement avec des virgules. Mais on a pris l'habitude, et on le fera systématiquement pendant cette vidéo, d'écrire un élément, finalement d'identifier MN1 de K, MNP de K, pardon, ici, là, ici, MP1 de K, c'est-à-dire une matrice colonne à P, une matrice colonne à P objet, et K exposant P. On identifie ces deux choses. En fait, au lieu de ça, là, il faudrait écrire MP1 de K, de même ici, là, AX, il faudrait écrire MN1 de K, on écrit évidemment KN. Alors, vous savez que déjà, ça c'est bien défini avec ces conventions, parce que si on prend une matrice colonne X qui a P objet, on peut multiplier A par cette matrice, et ça donne une matrice colonne qui a N objet. Donc, FA existe bien. On va voir que c'est une application linéaire qui est intimement associée à la matrice A. On adopte pour l'arrivée, je vous ai dit, les mêmes conventions. Hein. On a, avec les notations du tableau précédent et le petit plus en moins, la notation suivante. AX égale A facteur de X1, X2 jusqu'à XP égale Y1, Y2 jusqu'à YN appartient normalement à MN1 de K, une matrice à N lignes et une seule colonne. Mais on identifie MN1 de K et K exposant N. Alors, avec A qui est la matrice des AIJ, je vous ai recopié ici sa première ligne, A1, 1, A1, 2 jusqu'à A1P, sa Nème ligne et surtout sa Ième ligne, AI1, AI2 jusqu'à AIP, on a pour tout I appartenant à 1N, le YI hein, qui donne les coefficients du vecteur d'arrivée, c'est la somme pour J égale 1 jusqu'à P, cette matrice multipliée par cette colonne, la somme pour J égale 1 jusqu'à P des AIJ, XJ, alors pour XY appartenant à KP carré, et en fait deux matrices colonnes, et lambda mu, on a A facteur de lambda X plus mu X' égale lambda AX plus mu fois AX', c'est-à-dire si on exprime ça fait FA appliqué à lambda X plus mu fois X' égale lambda fois FA appliqué à X plus mu fois FA appliqué à X'. Ceci est valable pour tout X, X', là, X, X', et tout lambda mu, donc, FA est bien linéaire, appartient à linéaire de K exposant P dans K exposant N. Autrement dit, l'application F de point
qui a A associe FA est correctement défini. Et maintenant, bien défini, on a mis en place toutes les notations pour que l'on comprenne ce que c'est. Alors, reste à voir, et on va commencer tout de suite à montrer que c'est un isomorphisme. Alors, isomorphisme, ça veut dire à la fois linéaire et bijectif. Ouais, allons-y. Faisons donc la preuve. Alors, d'abord, de la linéarité de petit f, on prend deux matrices A et B dans MNP, deux scalaires alpha et bêta. Alors, pour x appartenant à KP, toujours la même identification. Hein. En fait, x est une matrice colonne. On a alpha A plus bêta B fois x, c'est alpha fois AX plus bêta fois BX, c'est-à-dire si on identifie ici, ça fait F de ouvrez alpha A plus bêta B appliqué à X égale alpha FA appliqué à X plus bêta FB appliqué à X. Mais ceci est valable pour tout X. Donc en fait, l'application F associée à alpha A plus bêta B, c'est alpha fois l'application FA plus bêta fois l'application FB. Ceci assure que F, deux points, F hein, qui a A associe FA est linéaire. Alors, l'injectivité maintenant. Bon, comme on a une application linéaire, on peut se contenter de montrer que son noyau est réduit à zéro. Alors, on suppose justement que l'image d'une matrice A, c'est-à-dire l'application FA, c'est l'application nulle de KP dans KN. Être cette application nulle, ça veut dire que pour tout x appartenant à l'ensemble de départ, FA de x est l'élément 0 de l'ensemble d'arrivée. Ça s'écrit AX égale 0N1. Ça, c'est une colonne de N0. En particulier, regardez, pour les x qui sont ce qu'on appelle les vecteurs de base, en fait, hein, de k exposant p, c'est-à-dire des zéros partout. Là, il y a p objets, dont seul 1, celui qui est sur la ligne J, vaut 1. Alors, que se passe-t-il quand on multiplie a par ej? On a 0, hein, bien sûr. On a 0 N1, mais surtout, ça veut dire que AJ égale 0 N1, où AJ est la jème colonne de grand A. En effet, si vous multipliez A par cette matrice, vous avez la colonne A1J, hein, AJ égale, ici je vous mets hein, AJ égale A1J, A2J jusqu'à ANJ. Alors, ceci est valable pour tout J, valable pour tout J. Appartenant à un P. Donc, toutes les colonnes de A sont nulles. A1, A2, A3, A4 est nul. Donc, A, c'est la matrice nulle 0 NP. Alors, finalement, le noyau de F, c'est la matrice 0 NP, ce qui assure l'injectivité. Alors, on pourrait s'arrêter là si on se souvient des dimensions, notamment la dimension de MNP d'une part, N fois P, et d'autre part la dimension de linéaire de KP dans KN, qui là aussi vaut N fois P. Mais je préfère faire la surjectivité, ça sera une autre façon de démontrer cette égalité des dimensions. Reste la surjectivité, j'ai mis une petite astérisque là parce que je ferai un commentaire sur l'utilité de la démonstration de la surjectivité plus tard. Alors, comme d'habitude pour la surjectivité, on prend un élément quelconque dans l'ensemble d'arrivée. L'ensemble d'arrivée ici, c'est l'espace linéaire, l'espace des applications linéaires de KP dans KN. Alors l'idée c'est la suivante, on reprend la notation de l'injectivité E1.
C'est le vecteur de KP qui a des x tous nuls sauf le unième, hein, c'est 1 et que des 0, E2 c'est 0, 1 et que des 0, etc. Alors, phi va de KP dans KN, donc l'image de 1 c'est une colonne, c'est une colonne de N objets, j'appelle A1. L'image de E2 c'est une colonne de N objets, j'appelle A2. Sans présager hein, que A existe ou quoi que ce soit, ça c'est bien parce que phi existe, que phi de 1 existe et que c'est une colonne, une matrice colonne à une ligne. Idem A2, idem AP. Alors l'idée évidemment c'est la suivante, on concatène tous les A1, A2, AP et on a A, une matrice qui est dans MNP, hein, concaténation ici. Alors pour x égale x1, x2 jusqu'à xp, ces vecteurs là n'ont pas été choisis au hasard, hein, c'est les vecteurs de base de KP, x écrit x1, e1, plus x2, e2, plus x, etc., plus xp, ep. Comme phi est linéaire, phi de x c'est x1, phi de 1, plus x2, phi de 2, plus xp, phi de ep. Oui mais ça s'écrit, alors regardez, hein, ça s'écrit x1 à 1, plus x2 à 2, plus xp à p. Oui mais ça, qu'est-ce que c'est? C'est la matrice A multipliée par x1, x2, xp. C'est-à-dire grand A x. On a donc... alors, ça, vous voyez que phi de x, hein, hop, phi de x, c'est A fois x. Et ceci est valable pour tout x. Pour tout x appartenant à k exposant p, donc l'application phi dont on est parti, en fait, c'est f indice a, ou a, alors, et une matrice formée de p colonnes qui ont chacune n objets, c'est bien dans MNP de k. Et ben, ceci assure que l'application f de point qui a a associe fa est surjective. Pour toute application phi prise à l'arrivée, phi est toujours une fa. Alors, ce que je voulais dire en parlant de l'utilité, c'est que en fait c'est inutile si on... Si on sait que la dimension de l'espace de départ, à savoir MNP de K, c'est N fois P, et que la dimension de, et c'est ça qui est plus délicat, K exposant P dans K exposant N, la dimension de l'ensemble de toutes les applications linéaires de KN, c'est NP. Mais sinon, c'est une conséquence. Sinon, c'est une conséquence. Sinon, de point, conséquence de la propriété, on a l'égalité suivante. Cette conséquence de la propriété qu'on vient de démontrer, de point, la dimension de... linéaire, l'ensemble de toutes les fonctions linéaires de KP dans KN est le même que l'ensemble de toutes les matrices NP. C'est donc NP. Hop. Voilà pour cette application. Donc vous voyez, à chaque matrice de format NP correspond une application de KP dans KN. Alors, voyez, il reste à voir maintenant ce que cette application fait des produits de matrices. En fait, interpréter le produit matriciel à l'aide de notre association. Bon, je m'aperçois que je l'ai dit, mais que je n'ai pas écrit le théorème ou la propriété qu'on a démontré. L'application F qui va de MNP de K dans linéaire de KP dans KN et qui a une matrice A associée FA, qu'on appelle l'application linéaire canoniquement associée à A, est un isomorphisme. C'est ça qui est un isomorphisme. Hein.
Sans doute pas F A. Enfin, ça dépendra des matrices A. Rappel ici, F à une matrice associe une application. Donc F A, c'est elle-même une application. Alors, je vous l'ai dit, il faut interpréter grâce à ça le produit matriciel. Alors, bon, vous vous demandez peut-être pourquoi le produit matriciel a été construit comme ça, là. Bon, l'idée, elle est là, c'est que si A est une matrice NP et B est une matrice PQ, je ne reviens pas sur les notations, NP et Q sont des entiers strictement positifs. Alors, l'application canoniquement associée au produit AB, c'est la composée de FA par FB. Et dans ce sens, c'est-à-dire qu'on fait FB d'abord. En effet, une remarque importante ici, si A est dans MNP, FA est dans linéaire de KP dans KN. Et si... Hop, attention. Et si B appartient à MPQ, FB, je vais l'écrire ici, et FB appartient à linéaire de, regardez, l'ensemble de départ ici, c'est KP, KQ, pardon, K exposant Q, à valeur d'un K exposant P. Autrement dit, FA rond FB, FA rond FB existe. FA rond FB existe et appartient à linéaire de... Alors regardez, on fait d'abord FB, donc c'est KQ dans KN. Et un rappel, de plus, AB, la matrice AB, ici, de plus, hein, vous le mettez dans la remarque, avec AB égale... Alors, AB... Puisque A est dans MNP et B est dans MPQ, A c'est dans MNQ de K. Et regardez, ça, c'est bien une application qui va de KQ dans KN. Alors, on n'a rien démontré. On dit simplement que l'égalité est possible. Ça, c'est des applications linéaires qui sont composables. Et la composée correspond à une matrice de la bonne taille. Reste à voir l'égalité qui est là, ce qu'on va faire dans la preuve. Faisons la preuve, donc, soit x. Alors, on veut montrer une égalité d'application. Il faut prendre un élément dans l'ensemble de départ de la première, hein, c'est-à-dire FB. Soit x appartenant à K exposant Q. Alors, on a une égalité issue du cours d'hier, mais je vais voir qu'en fait, on peut la redémontrer, ce qui pratiquement nous fera redécouvrir cette égalité. Vous savez que quand on a AB fois x, AB et x, trois matrices, bon, ici, X est une matrice un peu particulière, c'est une colonne. Mais enfin, ça marche pour les matrices. Ça fait 1 fois BX. AB fois X, c'est 1 fois BX. Oui, mais ça, si on interprète en termes d'application associée, ça fait FAB de X égale FA de BX. Mais ça, c'est FA de FB de X. Et ça, c'est FA rond FB. Le tout appliqué à x. Alors regardez, FAB de x égale FA rond FB appliqué à x. Et comme c'est valable pour tout x, on a bien FAB égale FA rond FB, ce que l'on voulait. Alors j'ai utilisé une propriété là, du produit matriciel que l'on peut ici démontrer dans le cas des colonnes. Regardez, je sais que AB c'est... Alors regardez, j'utilise une notation qu'on a vue dans le cours précédent. J'appelle BJ les colonnes de B. B, c'est dans MPQ, ça a Q colonnes, et chacune de ces colonnes comporte des P et P objets. J'appelle B1 la première colonne de B, B2 jusqu'à BQ, la dernière colonne de B. Alors dans ces cas-là, on a vu dans le cours numéro 1 que A fois B, c'est A multiplié par la colonne B1, à côté de A multiplié par la colonne B2, à côté de A multiplié par la colonne BQ. Dans ce cas, regardons ce que fait AB fois X, et on aimerait bien avoir ça, là, A fois BX. Alors, ça c'est AB1, AB2 multiplié par ce que j'ai choisi pour X, c'est-à-dire X1, X2, jusqu'à XQ. Hein, j'appelle X le vecteur x1, x2 jusqu'à xq, puisque x est dans K exposant q.
Ça, alors, vous savez que ça fait la, ça c'est des colonnes, ça, des colonnes côte à côte. Quand on la multiplie une matrice comme ça avec des colonnes côte à côte par celle-là, là, ça fait x1 fois la colonne AB1 plus x2 fois la colonne AB2 plus 3 petits points plus xq fois la colonne ABQ. Et là encore, si vous avez suivi, on peut écrire que c'est A multiplié, hein, ça c'est une des propriétés du produit matriciel plus simple, A multiplié par x1b1 plus x2b2 plus 3 petits points plus xqbq. Mais c'est quoi qui est dans la parenthèse là? C'est la matrice B multiplié par la colonne x1, x2 jusqu'à xq. Autrement dit, ça fait bien A de, ouvrez la parenthèse, bx. Autrement dit, ceci permet de retrouver, alors on a, ici on a, ceci permet de retrouver. Alors, la propriété qui est encore plus générale, hein, c'est que AB fois une matrice C, je vais écrire bien quand même, hein, le B ici, AB fois une matrice C, c'est A fois la matrice BC, où cette fois C est beaucoup plus générale. C'est dans, c'est pas une colonne, hein, c'est dans M, Q, R, de K. Bon, l'idée c'est que vous faites ça colonne par colonne pour chacune des colonnes de C1. C'est valable ça pour toutes les colonnes, donc pour toutes les colonnes de C1, et finalement AB fois C égale A fois BC pour trois matrices. Alors, on retrouve à l'aide des applications linéaires associées les propriétés algébrique du produit matriciel que je vais rappeler tout de suite. Je disais donc qu'on retrouve les propriétés algébriques du produit matriciel qu'on a vu en 1-3. Alors j'ai surligné ici les trois premières. Hein. Alors pour une matrice A de format NP, deux matrices BC de format PQ, A facteur de B plus C égale AB plus AC. Alors, on peut le voir en considérant les colonnes, mais aussi on peut le voir en disant car FA rond FB plus FC égale FA rond FB plus FA rond FC. Ça, on le sait. Et la matrice associée à ça, c'est ça. Ça, et la matrice associée à ça, c'est ça. De même pour AB appartenant à deux matrices de format NP, et C une matrice de format PQ, on a A plus B fois C égale AC plus BC, car FA plus FB, autrement dit, les égalités qu'on a vues dans linéaire, pour les applications linéaires, sont transposables pour les matrices. Donc ici, ça fait FA plus FB rond FC égale FA rond FC plus FB rond FC. Mais puisque l'on sait ça, on peut revenir ici grâce à l'isomorphisme en disant la matrice associée à cette application, c'est celle-là. Et la matrice associée à cette somme d'applications, c'est celle-là. De même pour les scalaires, alors deux matrices A de format NP, B de format PQ, attention là il y a une petite erreur, si on veut pouvoir la multiplier par A, il faut qu'elle soit P virgule Q, lambda fois A, le tout fois B, c'est lambda fois la matrice AB, et ceci car F, donc ça fait lambda fois FA rond, FB, ça c'est lambda facteur de FA rond FB égale FA rond lambda FB égalité qu'on a vu hein, dans l'ensemble des applications linéaires. On rajoute 4, voir ci-dessus, hein, on vient de le montrer,
que pour trois matrices, une de format NP, une de format PQ et une troisième de format QR, hop, de façon que le produit soit faisable, on a AB fois C et A fois BC. Alors, on vient de le montrer avec les colonnes, et voilà qui fait un parallèle entre les propriétés algébriques des matrices et les propriétés algébriques des fonctions linéaires. Alors, il reste le cas le plus intéressant, c'est quand toutes les matrices là sont carrées. Dans ces cas-là, on a une structure très particulière dans l'ensemble linéaire de Kn dans Kn. C'est une structure d'anneau qu'on va retrouver pour les matrices. Mettons-nous donc dans le cas des matrices carrées. Ici, A est une matrice Nn, autrement dit, elle est dans Mn de K. Et donc, l'application canoniquement associée est une application linéaire de Kn dans Kn. Hein. Bon, je vous rappelle que Fa, c'est l'application qui a une colonne Kn, hop, Kn ici, x donne Ax. Et un petit rappel, ça c'est une notation abrégée, hein. Mn de k c'est mnn de k. Donc l'application canoniquement associée va bien de kn dans kn. Le n ici c'est celui-là, et le n de celui-là c'est là. Alors, quelques rappels et du vocabulaire. On a vu que l'ensemble des applications linéaires de k exposant n dans lui-même, voir le cours sur L2E, hein, voir le cours sur. Hop, quand on écrivait L2E, où E est un espace vectoriel de dimension finie, ici on prend E égale Kn, c'est bien un espace vectoriel de dimension n. Alors, L2E plus point est un Kn espace vectoriel. Ça, on l'a utilisé à l'instant d'ailleurs. Dans ma première preuve. Mais aussi L2E plus rond, alors attention, ça c'est rond, la composée est un anneau dont le nôtre est l'identité. Donc L de K exposant N plus rond est un anneau. De plus, on a vu aussi juste précédemment, pour tout lambda appartenant à K, et pour toute application linéaire F et G de Kn dans Kn, on peut faire lambda F rond G égale lambda fois F rond G égale F rond lambda g, vous voyez qu'on peut promener les scalaires en fait, hein, de chaque côté du rond. Alors, on dit que l'ensemble L2E plus rond point, ici E étant Kn, c'est l'ensemble L2Kn plus rond point, est une K-algèbre. Alors, on avait déjà vu cette notation. Une K-algèbre, c'est quelque chose qui a deux structures. J'en profite pour hop, mettre la parenthèse au bon endroit, deux structures, une structure d'espace vectoriel pour plus et point, une structure d'anneau pour plus et rond, et la promenade des scalaires, si l'on veut. Mais on a vu aussi que, hop, alors, hier, dans la vidéo du cours 1, on a vu que MNK pour plus et point est un K espace vectoriel, ça aussi, on vient de l'utiliser. Mais on a vu aussi que l'ensemble des matrices carrées pour plus est fois, et cette fois, c'est la multiplication de deux matrices carrées, qui est une loi de composition interne. Ça aussi, c'est un anneau, avec pour neutre la matrice IN, l'identité. Et la promenade des scalaires, entre guillemets, marche aussi pour lambda appartenant à K, et pour AB dans MN de K, vous avez lambda A fois B égale lambda fois AB égale A fois lambda B. Donc vous voyez que là, on peut dire que MN de K, virgule plus, virgule fois, virgule point, est aussi une K-algèbre. C'est-à-dire que là, deux structures, une structure d'anneau, une structure d'espace vectoriel. Hop, les lois fois et point étant liées par ce que je viens d'écrire. Alors, on a vu que ces deux-là, là, ce cas espace vectoriel-là et celui-là, là, si, ces deux-là, hop, ils sont isomorphes. Isomorphes. Deux espaces vectoriels isomorphes. Alors, on va voir aussi que ces deux-là, là, sont liés,
et on met tout ça dans une propriété dont je vous expliquerai l'énoncé d'ici un instant. La proposition en question, la voilà. Alors, elle s'énonce ainsi. L'application F, qui a toute matrice A associée son application linéaire canoniquement associée, autrement dit qui va ici de Mn de K dans l'ensemble des applications linéaires de Kn encore N, est un isomorphisme d'algèbre. Alors, ça demande quelques petites explications. Juste un petit rappel avant de commencer. FA, c'est bien sûr l'application qui va de Kn dans Kn et qui a une colonne de X associée à fois cette colonne de X, les deux colonnes cette fois ayant la même taille. Donc ceci, isomorphisme d'algèbre, j'entends, hein, qu'est-ce que ça signifie? D'abord que F est linéaire, on dit que c'est un morphisme d'espace vectoriel. D'autre part que elle conserve... Elle transforme la multiplication de l'un en la loi multiplicative de l'autre. Autrement dit, elle transforme le foie de MNK en rond dans L de K exposant N. Et ça, c'est vrai pour tout AB appartenant à MNK. On a vu que F de AB, vous voyez que F, c'est une application qui a A associé F indice. Hein. Je ne l'ai pas mis entre parenthèses pour pas... Parce qu'à son tour, ce truc-là, il faut l'appliquer à des choses X. Donc j'ai mis plutôt en AB, en indice, pardon. Mais ça veut dire l'image de AB par F. Eh bien, c'est l'image de A par F rond, l'image de B par F. Et d'autre part, donc vous voyez qu'ici, c'est bien le foie, là, alors que là, c'est le rond. Et d'autre part, l'image de IN, alors là, c'est pour ça que j'ai refait ce petit rappel. Regardez, si A, c'est la matrice identité, IN, FA, c'est l'application qui est X associée. IN fois X, ça fait X. Autrement dit, ça, c'est l'identité de KN. Ces deux choses ensemble, on dit que F est un morphisme d'anneau. Alors, les deux ensemble, ça assure que... Ça, c'est un morphisme d'algèbre. À la fois, ça transforme la structure de K-espace vectoriel de l'un en K-espace vectoriel de l'autre, et la structure d'anneau de l'un en la structure d'anneau de l'autre. Alors, il reste le mot iso. Iso, c'est parce que F est bijective. Donc voilà, on a un mot, on dit tout. Enfin, isomorphisme d'algèbre. Alors, ça peut paraître un peu compliqué, mais ça rappelle tout comme ça dans une seule, dans un seul énoncé. Voilà pour l'identification, hein, presque. Enfin, alors, c'est pas une identification, mais il y a un lien très profond entre les matrices NN et les applications de K exposant N dans lui-même. Alors, on va se servir justement de ce lien pour éclaircir le dernier point du cours numéro 1, c'est quid des matrices inversibles. Comment interpréter le fait qu'elles le soient ou non, et si possible, trouver son inverse. On fait ça tout de suite. Nous allons donc utiliser ce que l'on a fait pour déterminer l'inversibilité d'une matrice A carré, NN, et voir aussi comment on peut calculer son inverse au besoin. Des rappels importants, soit A appartenant à MNK, elle est inversible si et seulement si il existe une matrice B dans le même espace, telle que AB égale IN et BA égale IN. Dans ce cas, B est unique. B égale A-1, c'est la notation. Maintenant, si on prend une application linéaire de Kn dans Kn, on a, comme pour toutes les applications, F est bijective si et seulement si on dit qu'elle a une inverse à gauche et une inverse à droite, c'est-à-dire qu'il existe une application telle que G-F et F-G, c'est l'identité de l'espace. Mais ici, on a vu que quand une application est linéaire, si ceci se produit, G sera linéaire elle aussi. Hein. Donc F est bijective si et seulement si il existe une autre application linéaire de Kn dans Kn, telle que G rond F égale F rond G égale identité de Kn. Une remarque, dans ce cas, G est unique et c'est F-1. Mais on a aussi... Et ça, c'est parce que K exposant N est un K espace vectoriel de dimension finie.
On a vu que en dimension finie, les endomorphismes sont bijectifs si et seulement si ils sont injectifs. Donc F est injective. Si et seulement si F est surjective. Alors, en grande partie, on montre ça souvent, si et seulement si le noyau de petit f, c'est le vecteur nul, hop, c'est réduit au vecteur nul, et ici, si et seulement si l'image de petit f, c'est tout qu'un exposant n. J'appelle ici zéro flèche la colonne remplie de n 0. Alors, ceci va nous permettre d'énoncer d'abord une propriété qui simplifie l'énoncé de l'inversibilité et puis qui ensuite fait un lien, vous le comprenez déjà, c'est A est inversible si et seulement si son application linéaire associée est bijective. Alors, j'énonce la proposition que j'ai dite à l'instant, soit A appartenant à Mn de K, A, alors bon, c'est pas, on aurait pu l'écrire en disant A soit A appartenant à Mn de K, et j'ai préféré tout condenser, une matrice A dans Mn de K est inversible, si et seulement si son application linéaire canoniquement associée qui appartient à grand L de K exposant N, et bijective. Alors, on fait ça en deux temps. On suppose d'abord que A est inversible. Il existe donc B appartenant à Mn de K, tel que AB égale IN et BA égale IN. Qu'est-ce qu'on a ? On a, en regardant les applications associées, hein, F AB égale F IN. C'est-à-dire que ici, FAB, ça fait FA rond FB. Alors, quelle est l'application associée à IN? Bon, c'est l'application qui a X associe IN fois X. Et ça, c'est l'identité de K exposant N. Alors, je suis allé, il me manque un peu de place. Ici, de même. FBA égale FIN. Donc, FB rond FA égale identité de K exposant N. Alors, FA est bijective. La réciproque, maintenant, on suppose que FA est bijective. On pose, on appelle G sa réciproque. Alors, G est toujours dans L de K exposant N. Mais on sait que l'application petit f est surjective, autrement dit, c'est même un isomorphisme, on l'a vu, hein, c'est bijectif. Donc il existe une matrice B, d'ailleurs unique, telle que cette application G, c'est l'application associée à une matrice B. Alors, on a G rond F. Alors, F rond G égale G rond F égale identité de K exposant N. Et ça s'écrit FA. Alors ici, c'est FA. Et ici, c'est FA. Ça s'écrit FA rond FB égale FB rond FA égale identité de K exposant à N. Et donc, en identifiant ça, on sait que c'est la matrice associée à FAB. FAB égale FBA égale identité de KN. Ça fait F de IN. D'où AB égale IN. Et BA égale IN. Alors attention, là j'ai manqué un peu de place dans le début de la preuve. Voilà pour la fin. Alors, finalement, une matrice est inversible si son application linéaire canoniquement associée est une application bijective. Alors, il y a du vocabulaire que je vais rappeler tout de suite, hein.
enfin plutôt des notations, une matrice inversible, quand on le, pour dire qu'elle est inversible, on dit qu'elle est dans le groupe GLN de K. Et il y a aussi une notation que je vais rappeler tout de suite, mais comme je n'ai pas la place, je change de tableau. Je vous le dis simplement, une application bijective de Kn dans Kn, on dit qu'elle est des GL de Kn. Donc vous voyez, je le dis, mais je vais l'écrire. A est dans GLN de K, si et seulement si, FA est dans GL de Kn. Alors j'écris la propriété que je viens d'énoncer. Pour une matrice A carré Nn, donc dans Mn de K, son application canoniquement associée appartient à L de Kn. A est inversible, alors la notation c'est GLN de K, hein, l'ensemble des matrices inversibles, si et seulement si son application canoniquement associée est dans le groupe linéaire de Kn. Donc vous voyez la grande similarité des notations. Attention, ici le n est en bas, et là il est là, parce que c'est le groupe linéaire d'un espace vectoriel qui est qu'un exposant n. Un espace vectoriel d'ailleurs de dimension finie. Alors on va se servir justement du fait que K exposant n est un espace vectoriel de dimension finie dans la suite. Là, j'énonce une proposition, soit E un K espace vectoriel de dimension finie et F une application de linéaire dans E, un endomorphisme. F est une application bijective si et seulement si il existe une application G linéaire telle que G0F égale identité. Si et seulement si il existe une application G linéaire telle que G rond F égale identité. Alors les implications de gauche vers droite sont évidentes, hein, puisque si F est bijective, sa réciproque F-1 existe, elle est linéaire et elle vérifie ça, puisque F rond F-1 c'est identité et F-1 rond F c'est identité. Il reste à voir donc les implications de droite vers gauche. Alors on suppose que F rond G égale identité de E, où G est dans L de E. Alors vous savez que identité de E, c'est sur, bah, c'est une bijection, hein, bien sûr. Et donc c'est surjectif. Ça c'est une surjection. Autrement dit, G rond F est une application surjective. Donc G F aussi. Donc F est surjective, voire le cours au début de l'année. Si une composée est surjective, la dernière fête est surjective. Sinon, la composée ne l'est pas. Mais dans ce cas, et pourquoi ça marche dans ce cas? Parce qu'elle est surjective dans un espace vectoriel de dimension finie. Dans ce cas, F est bijective. Vous savez que pour les endomorphismes, être surjectif suffit pour être bijectif. De même, on suppose qu'il existe une application linéaire G telle que G rond F, c'est l'identité. L'identité, c'est injectif. Mais si G rond F est injectif, donc F aussi est une application injective. En effet, hein, vous voyez, si F n'est pas injective, deux éléments de l'ensemble de départ ont la même image et G rond F, il en est de même, et G rond F n'est pas injectif. Mais dans ce cas, quel cas? Le cas d'un endomorphisme injectif. Eh bien, c'est un isomorphisme. F est bijective. Alors, voilà, on dit qu'un endomorphisme admet une réciproque si et seulement si, il admet une réciproque à droite, si et seulement si, il admet une réciproque à gauche, au lieu que, en temps normal, hein, si on n'avait pas la dimension finie, il aurait fallu les deux, l'inverse à droite et l'inverse à gauche. Donc on va se servir de ça pour simplifier l'énoncé de l'inversibilité de A. J'énonce la propriété, soit A une matrice carrée, Nn, A est inversible, et regardez, si et seulement si il existe une matrice B telle que AB égale IN, si et seulement si il existe une matrice qui n'est pas forcément, enfin, on verra, c'est forcément la même, mais telle que BA égale IN. Autrement dit, dès que vous trouvez ces conditions-là, l'existence d'une seule matrice qui serait une inverse à droite de A, c'est une inverse complète. C'est parce que dans chaque cas, B est unique et B c'est A moins 1. Si on trouve une inverse à gauche, B, c'est l'inverse. A est inversible et B est l'inverse. Alors, montrons ça bien sûr en utilisant le théorème précédent.
Alors, les implications de gauche à droite sont évidentes. Hein. Si A est inversible, la matrice A-1 existe et B égale A-1 vérifie ces deux choses. Alors, on suppose que AB égale IN ou B est une matrice. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a F AB, c'est toujours pareil, hein, égale F IN, c'est-à-dire que FA rond FB, FA et FB étant les applications linéaires canoniquement associées, égale identité de K exposant N. Mais comme K exposant N est un K espace vectoriel, est un K espace vectoriel de dimension finie. Donc, dans ce cas-là, on a FA est bijective. FA est bijective. Et d'ailleurs, FA-1, c'est FB. Mais le fait que FA est bijective, donc A est inversible. De plus, A-1, donc A-1 existe. Hein. Alors ça, c'est le principal, puisque ici, on suppose que AB égale IN seulement, et on a A inversible. Alors, de plus, A, l'inverse de A existe. Et de AB égale IN, donne, on multiplie à gauche par A-1, donc A-1, je vais faire ça, hop, correctement, A-1 facteur de AB égale A-1, c'est-à-dire A-1 fois A, hein, ici ça fait B, égale A-1. Alors, pour 2, c'est idem, hein, en utilisant cette fois le fait que FB rond FA et c'est l'identité. Et ici, et là encore, FA-1 égale FB. Autrement dit, la matrice B est caractérisée aussi par le fait que FB, c'est la réciproque de FA. Alors, ça va nous donner pas mal de caractérisations de l'inverse, l'inversibilité d'abord, l'inverse ensuite, qu'on va écrire maintenant. Je donne ici les caractérisations de l'inversibilité auxquelles je pense, mais d'abord une petite remarque pour A appartenant à Mn de K. Les propriétés qu'on a vues assurent que si A est inversible, l'application linéaire associée à A-1, c'est la réciproque de celle associée à A. Et mieux, l'inverse de A, qui est une matrice B, qu'a priori on ne connaît pas, c'est l'unique matrice telle que la réciproque de FA, c'est FB, l'application canoniquement associée à B. Alors, on s'en servira dans les exemples à venir, mais d'abord, une caractérisation de l'inversibilité avant de la recherche de l'inverse. Comment savoir si une matrice est inversible? Alors, voilà deux propriétés. La première s'écrit pour tout x appartenant à Kn, c'est-à-dire pour toute colonne x1, x2 jusqu'à xn. Si Ax est la colonne nulle, alors x est la colonne nulle. Avec le vocabulaire des systèmes, ça veut dire tout système homogène associé à A n'a que 0, 0, 0 comme solution. Deuxième propriété, on va voir donc qui caractérise l'inversibilité, pour tout y appartenant à K exposant n, donc une colonne de y1 jusqu'à yn, il existe une colonne x1 jusqu'à xn, donc à n tel que A fois x égale y. Avec le vocabulaire des systèmes, ça veut dire que tout système associé à A admet une solution. Vous voyez que si on mélange les deux, A est inversible si et seulement si tout système associé à A admet une unique solution. Mais ce qui m'intéresse ici, justement, c'est la dissociation des deux, puisque la preuve, A est inversible, on va faire ça par équivalence, hein, A est inversible si et seulement si
L'application canoniquement associée à A est une bijective. Autrement dit, si et seulement si, puisqu'on est en dimension finie, la FA est injective. Mais ça a lieu si et seulement si, quel que soit X appartenant à K exposant N, FA de X égale 0, le 0 de, le 0, 0, 0 de K de N, là. Alors, je vais l'écrire comme ça, là. Hop. Ça sera plus simple. On va dire qui c'est. 0, 0, 0 implique X égale 0 jusqu'à 0. Et ça, c'est exactement la même chose que de dire ça, là. Si et seulement si, quel que soit X appartenant à Kn, AX, c'est la colonne de 0, implique X égale la colonne de 0. Je finis la preuve de l'autre côté. Si et seulement si, bon ben je le fais, une petite remarque avant de finir. Ici, X c'est X1, X2 jusqu'à Xn appartient à Kn. Et 0, 0, 0, là, c'est le 0 de Kn. Bon, ben, je finis la preuve de l'autre côté. Alors, la suite de la preuve, on a vu que A était inversible si et seulement si FA est bijective. J'avais utilisé l'injectivité dans un premier temps, mais on peut aussi utiliser la surjectivité, puisque FA est un endomorphisme. FA est une application bijective si et seulement si elle est surjective, ce qui s'écrit pour tout Y appartenant à K exposant N. Il existe un X appartenant à K exposant N tel que FA de X égale Y. Ce qui s'écrit aussi, quel que soit Y appartenant à K exposant N, il existe X appartenant à K exposant N tel que AX égale Y. Une remarque ici, X est bien une colonne de réel et Y aussi, hein, de scalaire, pardon. X1, X2 jusqu'à Xn et Y1, Y2 jusqu'à Yn. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, on peut mélanger les deux et on a A est inversible si et seulement si pour tout Y appartenant à K exposant N, il existe un unique X appartenant à K exposant N tel que AX est égal Y. Mais en fait, les deux propriétés les deux équivalences de la propriété ainsi de suite de la proposition sont mieux que ça, sont plus intéressantes que ceci qui ne fait que traduire la bijectivité en une seule phrase, la bijectivité de FA. On sait que A est inversible si et seulement si FA l'est. La bijectivité de FA. Mais c'est intéressant d'avoir l'une avec son adjectivité et l'autre. Bon, pour l'adjectivité en particulier, pour l'existence ou pour l'inversibilité, disons, l'inversibilité, c'est-à-dire savoir si une matrice A est inversible ou non, on utilisera la première, c'est-à-dire A est inversible, souvent, hein, je veux dire on utilisera souvent, on utilisera souvent, ou le plus souvent, disons, A est inversible si et seulement si, quel que soit X appartenant à K exposant N, AX égale 0N1 implique X égale 0N1. Bon, mais parfois, donc ça pour, c'est le plus souvent pour montrer qu'une matrice est inversible, on montrera que son application linéaire canoniquement associée est injective, ce qui revient à montrer que tout système homogène associé à A n'a que 0 pour solution. Bon, on va quand même voir comment calculer l'inverse et faire des exemples.
Donnons maintenant une proposition qui sert à calculer l'inverse quand on sait que A est inversible, soit A appartenant à Mn de K, si A est inversible à sa réciproque et l'unique matrice B, telle que pour tout x, y appartenant à K un exposant n, A x égale y implique x égale B, y. Alors, faisons ça rapidement. D'abord, montrons que la matrice A moins 1 vérifie ça, ça c'est pas compliqué. Alors, si on prend x, y et qu'on suppose que AX égale y, hop, on multiplie à gauche par A moins 1. Et A moins 1 fois A, ça fait identité. Et identité fois X, ça fait X. Donc la matrice A moins 1 vérifie la propriété. Maintenant, si B vérifie la propriété donnée pour Y appartenant à K exposant N, on a vu précédemment que A étant inversible, il existe un X tel que AX égale Y. Mais alors, comme B vérifie la propriété, dans ces cas-là, X, c'est BY, et on a donc ABY égale Y. Ainsi, on a quel que soit Y appartenant à K exposant N, ABY égale Y. Donc, FAB égale identité de K exposant N. Et trois petits points, hein, FA rend FB égale identité et B égale trois petits points, hein, j'en dis pas plus, on l'a fait plusieurs fois, B égale A moins 1. Remarque, il y a une propriété avec des X et Y qui donne l'inversibilité, hein, c'est que A quelconque dans Mn de K est inversible. Est inversible et B égale A moins 1, mais on utilise moins, ça c'est si et seulement si, quel que soit le couple XY appartenant à K exposant N au carré, AX égale Y équivaut à X égale BY, ce qui. Ça montre que l'application associée à B est la réciproque de l'application associée à A, ce qui assure à la fois l'inversibilité et l'existence, donc l'existence pour l'inversibilité et la valeur de B. Mais bon, on pourra utiliser celle-là parce qu'elle n'utilise qu'une application et ça permet de résoudre des systèmes. Une fois qu'on sait que A est inversible, on sait qu'il y a une solution unique, ça permet parfois d'éviter de ne pas conserver les si et seulement si. Je termine par deux petits exemples. Voici un premier exemple très simple. Dans M3 de R, voilà la matrice qui a des 0 sur la diagonale et des 1 partout ailleurs. Alors voyons ce que donne un système homogène associé à A, à X. Alors bon, je n'ai pas écrit X1, X2 jusqu'à Xn, j'ai pris X, Y, Z de façon plus classique dans R3. AX égale 0, 0 implique Y plus Z égale 0, X plus Z égale 0 et X plus Y égale 0. Alors bon, j'ai traité ça par substitution, Y égale moins Z, X égale moins Z, et puis quand on en fait la somme, là ça fait moins 2Z égale 0, ça implique donc X égale Y égale Z égale 0. Vous voyez que le système homogène associé à A n'a que 0, 0, 0 comme solution. On en déduit que A est inversible. Voyons maintenant ce que donne un système avec second membre. Le second membre, je l'appelle ABC pour Y appartenant à ABC. Alors, R3, pardon, AX égale Y implique. Alors, je ferai une remarque sur l'implication, mais pour l'instant, vu qu'on sait que A est inversible, on peut se contenter d'implication. On sait que la solution est unique en fait, hein. Si A est inversible, on va trouver qu'un seul X. Alors, faisons ça par substitution aussi, si vous voulez. Il vient Y égale A moins Z, il vient X égale B moins Z, et quand on fait la somme, ça fait A plus B moins 2Z égale C, ce qui nous donne Z égale un demi de A plus B moins C. Puis ici, X égale B moins Z. Et Y égale A moins Z. Ce qui nous donne. Je vais peut-être l'écrire tout. Allez, X égale. Attention.
effacer mieux. X égale 1 demi de moins A plus B plus C. Y égale 1 demi de A moins B plus C. Et Z égale 1 demi de A plus B moins C. C'est-à-dire que X, Y, Z égale 1 demi de, on va écrire moins 1, 1, 1, 1, moins 1, 1, 1, 1, moins 1, le tout facteur de ABC. On en déduit que la matrice réciproque de A, c'est 1 demi de moins 1, 1, 1, 1, moins 1, 1, 1, 1, moins 1. Alors, remarquez qu'ici, en fait, ici, si j'avais procédé par équivalence, jusqu'au bout, je peux conserver les équivalences, hein, vous avez vu. J'ai fait un calcul où je conservais à chaque fois toutes les équations. Donc, en fait, là, il y a des équivalences et, a priori, on peut presque se passer de ce premier point. Je le dis tout de suite, je fais un deuxième exemple et on aura terminé. Alors, j'ai écrit la remarque que je viens de faire. Hein. On aurait pu, dans le deuxième point où on a calculé l'inverse, travailler par équivalence pour x égale xy, z et y égale abc. On a vu que ax égale y, si et seulement si x égale une matrice b fois y. Ça sur les deux en même temps, le fait que a est inversible et que la réciproque de a, c'est cette matrice. Alors, un petit exemple 2. Cette fois, j'ai pris une matrice comme ça, là, qui a l'air de rien. Bon, encore une fois, dans M3 de R, je vais résoudre le système homogène associé à... Attention, parce que là, je ne l'ai pas. Donc, 0 égale AX, Y, Z. Si et seulement si, donc 2X plus 3Y plus 5Z, moins X, moins 3Y, moins Z, X plus Y. Alors, regardez, j'ai profité du fait que là, c'est déjà échelonné. Pour mettre cette ligne multipliée par moins 1 en tête, donc x plus 3y plus z, là j'ai recopié 2x plus 3y plus z. Ici je fais L2 remplacé par L2 moins 5 L1, et il vient donc moins 3x, 3 moins 15 plus moins 12y. Égale 0, mais ça c'est pareil que x plus 4y égale 0. Donc finalement ça équivaut à x plus 3y plus z égale 0. En fait là, les systèmes homogènes, si vous voulez traiter par les pivots de Gauss, vous voyez, c'est très facile, on peut conserver les équivalences. Et x plus 4y égale 0, ce qui n'implique pas x, y, z égale 0, 0, 0. Vous voyez ce que là il y a une infinité de solutions. Autrement dit, A n'est pas 1. Inversible. En fait, quand est-ce que A est inversible, finalement, c'est quand sa matrice est équivalente par ligne à une matrice qui a n pivots. Si A est dans mn de k, le système homogène associé à une solution unique, si et seulement si la matrice équivaut à une matrice qui a des pivots non nuls sur toute la diagonale. Seule condition pour que le système AX égale 0 implique X égale 0 à tout coup. Alors, je ne veux pas écrire ça, mais finalement, vous pouvez le retenir hein, quand même. Hein. Une matrice est inversible si et seulement si elle est équivalente par ligne à une matrice qui a N pivots, où N est la taille de la matrice carré de départ. Alors, voilà pour ce cours. On reprendra le fil du polycopier avec des matrices un petit peu particulières. Donc, ça sera 1, 4 et 1, 5 transposés d'une matrice et
matrice scalaire, diagonale, triangulaire, symétrique, antisymétrique dans une courte vidéo. Avec ce que l'on a fait là, vous pouvez faire les 10 premiers exercices, je pense, de la feuille de TD. Ça ne veut pas dire qu'il faut les faire tout de suite, mais vous pouvez commencer à chercher les TD. On les corrigera au fil des jours à venir. Au revoir.